l'association Sonio Di Cavallino avait organisé à Ficheux une journée baptême en Ferrari avec comme invité d'honneur deux jeunes handicapés, Lionel et Christopher. Nous avons créé l'association il y a bientôt 3 ans, au moment où j'ai acheté ma Ferrari. Patrice a eu l'idée de créer une association pour donner l'occasion à des enfants, des adultes qui ont un handicap, de pouvoir partager notre passion qui est l'automobile. Alors ça a été très facile parce que dès qu'on parle à un propriétaire de Ferrari, de Porsche ou d'autres voitures, de donner un coup de main dans ce genre d'association, on a toujours un bon écho. C'est sympathique, ça nous permet de faire partager notre passion. Donc le mythe Sonio Di Cavallino, c'est le mythe Ferrari. Et donc c'est faire plaisir effectivement aux jeunes avec ce mythe qui est Ferrari. Pour te faire plaisir, donc il faut surtout pas. Allez, tu n'hésites pas à me dire si tu veux quelque chose. Même plus vite, si tu veux plus vite, regarde, je peux. Ah, parce qu'il faut rester prudent quand même. D'accord ? Ok, on va faire comme ça. C'est une après-midi vraiment géniale, tout à fait épanouissement pour Lionel. Ça l'a mis vraiment en pleine forme de venir ici. Mm-hmm. Alors, bon, on a trouvé l'association tout à fait par hasard. On a un copain qui possède lui-même une Ferrari. Sur internet, il a fait des échanges d'adresses, on a vu Sonio Calvalino. Mm-hmm. Et c'est de fil en aiguille, on a pu avoir cet après-midi ici. D'accord. À la fin de la journée, Patrice Darras a fait un cadeau à Lionel et Christopher. Un modèle réduit des véhicules qu'ils ont pu essayer. De bien beaux souvenirs pour une bien belle journée.